la République démocratique du Congo. En Dekonanga ya Kinshasa. Fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, Amemelibiso, ba invention naye na Komboya, Pontball, pontage de phase automatique. Et mwana maman, so ki phase kei, komi tungisate, toko bricole logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Pontball avec groupe, wana pona ba groupe électrogène, logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalion. Manchon Bolala. Sokyo Kangina Yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Koka moins nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891. 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma, Skafme, Iyo, Wela Tango. Voilà, vous nous suivez de partout dans le monde à travers votre émission Micro Populaire. Une fois de plus, bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission Micro Populaire. Grand merci à Génial Mbouy à la prise de vie. Grand merci à Mike à la régie finale, donc au montage. Grand merci à M. Rifin qui sont sans oublier. Papi Kelly, qui s'est l'embauche dans Rifin qui sont bés. Voilà, grand merci également à l'unique sponsor de cette émission. M'tozo ça, qui est l'émission Les Capitaux, qu'on a quatre chaînes à venir. Syndicat, syndicat, comprenez que ça dit, mais c'est Malela de London, le champion, champion Zakakamoko, Malela de London. Voilà, quand on est le bac à l'émission, le micro populaire, les émissions, oh, ils ont s'occupé, la sociale à tout le peuple congolais, à la soldat, à la police, à la nani, bref, oh, ils ont le peuple congolais, la nationalité congolaise. Voilà, micro populaire, et vous s'intéressez, la vie, la sociale, la comment est-ce qu'ils ont vivre. Voilà, comprenez que ici, nous sommes dans le, au sein de l'école. Kokolo, on a deux directions, direction ya Kokolo 1 et puis direction ya Kokolo 2. Voilà, tout s'intéresse à qui n'école, pourquoi? Parce que c'est l'école Oyo et ça, on a 4 yakans. Alors, vu que le chef de l'État, Fatih Beton, a prôné Kito, à la Kaki gratuité enseignement, voilà pourquoi tu quittes Awa, na 4 yakans Kokolo, tu es un peu comment, dans quelles conditions, ban ya basoda, baso tang, na ba condition ni Oyo, basoda, basali, ko vivre, j'ai un bouki, ma joie, la cause va être. La monnaie à Zasoda, l'immunité, voilà. Il y a un moment qui dit Awa, tu roules avec comment est-ce que Bana, il y a Basoda, Bazali Kotanga, Bazali Kotanga, donc, on va conditionner Bazali Kotanga. Plutôt, est-ce que Bati a faisabilité aux Zalaki faites, les Zalaki Bongo respectés, est-ce que les autres gratuités enseignement et réussir Topé Ndengenini, voilà. Donc, il y a un moment qui dit Awa, il y a une école militaire, il y a un moment qui dit Awa, et puis un Kokolo. Donc équipe nanga émission de micro populaire de Bolingaka to ba kitoko kita. En tout cas biso to sala musala te ko so ndo kita na ba terrain to me kampe ko so to tala ka social ya mutu moko moko o ape sa vie na ye pona mboka na biso. Voilà pourquoi to kita ki bon awa na kati école Kokolo to me kampe ko so lula na directeur ya école o puis to me kampe ko so ape bana pa ya classe po bana ba so ba lo ba français te. Mais lelo awa to ko so na bana ba so na français boyo ka ndenge ni bana so ba lo ba français pour formation et commis déjà adéquate formation commis vraiment à la hauteur ya peuple congolais. Voilà, tout le monde est juste à côté. Bon, mon bâtiment y a sika, basali ko tonga bâtiment. Bah, il va juste tonga bâtiment pour moment bah sentir sur quoi y a ben élève na katia salle. Ben élève va commis et belé. Alors, il faudra c'est que va tonga bâtiment ou y a sika pour na ko sunga. Bah, ne plus ko luka ko faciliter na katia salle. Tous en avait effectif débordé té. Y a ben élève, bon mon basali ko tonga deux bâtiments côté yo. La bâtiment tout le monde est à quatre salles de classe au bako bakisa. Et puis de l'autre côté tout le monde appelle ce bâtiment, monsieur Sozali, bâtiment administratif pour na ba directeur, ba sinumeraire, ba maître de l'école, car en dengue zalaka. Il y a un peu de s'intéresser à une école Oyo, parce que Moussa Lambi Soza a apporté
aux lumières, place de Point Nord et Zali. Fatia Zosala Moussala, alors, nous sommes tous les journalistes. On a comme mission, comme devoir, Yakobi Misa, Misala Oyo, président de la République Azosala, avec son gouvernement, tout la Kisango, le peuple Mobimba, surtout la diaspora, va comprendre que non, Moussala Ezali Penza, Osalema. Soda Azali Nan, Soda Azali Moutou Oyo, apesi Vinaye, Andimi ko sacrifie Vinaye, pona mboka, pona kimia ya mboka, pona image, toko tombo la bongo, symbole ya paix ya mboka, Ezala ka toujours. Car on a un drapeau, 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 dans quelles conditions on a un drapeau, on a un drapeau, on a un drapeau, on a un ba papa na ba ba kufa na bitumba o ebele bele le kana est le kana goma le kana partout na kati ya république na biso ebele ba soda ba pesa vie na bango lo ba tika bana bango ba tanga kale na kati ya école oyo ezali ya l'été puis to e bandenga nini bana wala bazali ko tanga éducation bango ezali ndeni voilà to kota na kati ya bureau to sola bango na directeur ya école Kokolo et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes là dans le bureau des directeurs. Il y a l'Institut Kokolo. Comment est-ce que l'école a fonctionné depuis le lancement? Il y a campagne, il y a initiative où il y a gratuité et enseignement. Ah, on a quatre, il y a l'école Kokolo. Étude de faisabilité, où il y a qui fait. Est-ce que Awa est reçu? Est-ce qu'il y a effectif, il y a des élèves dans la salle de classe, et comment déborder, quelles sont les mesures pour que ça salle que bana ba soda batanga na ba conditions. Et puis faut que est-ce que école Kokolo bana ka ba soda batanga na kati école oyo, ce sont là les différentes questions autour ça bongo la directeur wa sabongo invité na biso na émission micro populaire. Bonjour directeur. Bonjour. Donc directeur pour le micro. Comment on a directeur Ndoma Bamfum Donatien. Nous allons en épée un Kokolo comme directeur depuis 2014. En tout cas, 2014, au début, quand il n'y avait pas la gratuité, on nageait d'effectifs de 600 élèves, 700. Mais actuellement, en tout cas, je nage avec moi d'effectifs de 1922 élèves. Donc, il y a un débordement d'enfants. Mais que l'État range aussi. Maintenant, comme on est en train de construire de nouveaux locaux, on suppose que l'année prochaine, nous serons très bien. Souhaitons aussi que nous soyons bien équipés du point de vue banc. Le banc et les installations, on est en train d'arranger. En tout cas, ça marche bien. Malgré que l'État puisse aussi arranger le salaire des enseignants. Mais sinon, le début a toujours été difficile. Mais nous sommes quand même contents. Mais sinon, dans l'ancien temps, il y avait combien d'élèves dans chaque classe? Dans chaque classe, les années sans gratuité, ils nageaient dans des 50. Mais pour le moment, par salle de classe. Mais pour le moment, une salle de classe de 100 élèves, voire même 120. Donc vraiment, ça réussit la gratuité. Vraiment, nous sommes très contents de cette initiative. Mais que Dieu soit loué. Mais l'année prochaine, on suppose que vraiment, ça sera très, très bien. Mais sinon, les autres sont contre cette initiative de la gratuité de l'enseignement. Je ne sais pas vous, tant que directeur. Ah non, non, on ne peut pas être contre. Même nous, à l'époque, nous avions étudié gratuitement. On ne payait pas les frais. Vu que la vie est difficile, le chef de l'État a bien raisonné de décréter la gratuité. C'est mieux. Pour donner accès à tout le monde d'étudier à l'école, ne fût-ce que l'école primaire, savoir écrire et lire. En tout cas, c'est bien cette initiative. Selon vous, les études de faisabilité ont été vraiment bien établies, bien faites, selon vous, de la gratuité d'enseignement? En tout cas, au début, je trouve que ce n'était pas bien établi, mais on suppose que petit à petit, c'est bien, ça va marcher. Est-ce qu'avec le temps, on donne encore la chance? Oui, avec le temps, en tout cas, on aura la chance d'arriver au bout. En tout cas, c'est mieux. Sinon, concernant les élèves qui étudient ici, c'est 100% les enfants des soldats ou c'est il y a un métissage des enfants ou des familles? En tout cas, la majorité sont des enfants militaires. Hein. Sur les 100%, on peut supposer que 90% sont des enfants militaires. Le 10% peut-être des enfants de personnel enseignant. Sinon, la majorité sont des enfants de famille. Des soldats ou ce sont... Non, non, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires. Même moi-même, le directeur, je ne suis pas militaire, je suis civil. Alors, nous venons ici pour encadrer les enfants de militaires. Il y a des logements pour les personnels de l'Institut Kokolo. Oui, oui, il y a quelques maisons ici. Il y a de ces agents qui habitent ici. L'État construit des maisons qui sont logés ici. Tel que ma sentinelle, travailleur, j'ai encore ici ces 5 enseignants qui sont logés ici au camp. L'État a construit des maisons depuis l'époque.
jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, comment fonctionne l'école? Vous avez des frais de fonctionnement qui est alimenté par l'État pour l'heure ou il y a des ONG qui vous alimentent? Non, non. Le frais de fonctionnement, c'est alloué par l'État lui-même, le gouvernement qui nous a donné le frais de fonctionnement. Okay. En tout cas, pour le moment, ça va quand même. Les enfants ne souffrent pas avec les craies, ni toi. On commence à ranger le bureau. C'est le fonctionnement de la part de l'État. Nous pouvons même remercier cette initiative. Est-ce qu'il y a des matériels didactiques vraiment adéquats pour la formation des enfants? Ah, les matériels, en tout cas, ce n'est pas tellement suffisant. C'est insuffisant, mais au fur et à mesure, tel qu'on a commencé avec le frais de fonction, nous allons alimenter ça. Sinon, quels sont les différents problèmes que vous connaissez et avec les enfants des militaires? Parce que généralement, on les accuse d'être trop brutal, trop des brigands, entre parenthèses. Parce que vous êtes le directeur d'une école qui se trouve dans un camp militaire. Ah, tout de même, ils sont des brigands, mais quand même, nous essayons quand même de les droiture. Ils essayent un peu d'améliorer leur comportement. Sinon, ça va quand même. Mais à la maison, peut-être, mais ici à l'école, en tout cas, ils se comportent comme tout enfant. Hein. En tout cas, nous sommes bien. Même leurs parents, nous vivons en bon terme, il n'y a pas de problème. Les militaires sont comme nous, les enfants aussi nous encadrons très bien. Malgré leur brutalité, mais en tout cas, ça marche bien, ça ne pose pas de problème. Du côté de l'éducation, est-ce qu'il y a vraiment une bonne éducation comme on trouve ailleurs, entre guillemets, dans les écoles privées de la place? Est-ce que dans les écoles de l'État, surtout ceux qui se trouvent au camp Kokolo, au camp Kanchachi, est-ce que vraiment il y a une bonne formation pour ces enfants-là qui fréquentent cette école? Oui, oui, il y a une très bonne formation, puisqu'ici chez nous, nous ne sommes que des pédagogues. On ne peut pas engager celui qui n'a pas fait la pédagogie. Nous avons de bons enseignants. Mais seulement que peut-être la négligence, le point de vue de parents. Et aux parents aussi à la maison, ils doivent essayer un peu d'encadrer leurs enfants, faire le suivi. Puisqu'il y a un pont entre l'école et les parents, ils doivent faire le suivi du point de vue devoir à domicile, revoir les matières à la maison. Sinon, en tout cas, il y a un bon encadrement. Sinon, chez vous, il n'y a pas de phénomènes grève d'enseignants, grève de professeurs de... Non, non, chez nous, en tout cas, nous n'avons pas cette attitude-là d'aller en grève. Nous souhaitons seulement que l'État range la situation. Nous attendons jusqu'au mois d'avril. Problème de grève, en tout cas, nous, ça ne nous concerne pas. Il faut avoir aussi le souci des enfants qui puissent étudier. En tout cas, nous n'avons pas cette intention-là d'aller en grève. Sinon, vous ne pensez pas de pression de militaires vu que l'école est dans un centre militaire? Pression? De pression de parents militaires? Non, en tout cas, nous sommes bien. Nous n'avons pas de pression avec les militaires. Ils se comportent bien. En tout cas, sans toutefois mentir, je suis ici depuis 2014, je vous ai dit ça. Il n'y a pas de problème avec les militaires. On collabore très bien avec les parents. C'est un message aujourd'hui au chef de l'État et au chef du gouvernement. Quel serait votre message? Ce que je peux leur souhaiter, par exemple, au niveau du chef de l'État, en tout cas, qu'il fasse aussi un effort, que Dieu soit à son côté. Vraiment, c'est bien. Qu'il fasse un effort, surtout d'arranger le salaire des enseignants, comme il y a la gratuité, c'est mieux. C'est un bon départ. En tout cas, c'est un bon départ pour permettre à chaque enfant d'étudier, de se mettre sur le banc de l'école. Moi, chef de gouvernement, en tout cas, merci beaucoup, surtout avec le frais alloué, frais de fonctionnement. Maintenant, vraiment, les enseignants sont bien équipés. Du point de vue document pédagogique, tout en toi, nous sommes bien. Avec votre permission, on peut faire quand même le tour de quelques salles de classe pour voir dans quelles conditions sont logés les élèves. On peut faire un tour. Sinon, moi-même, je peux faire un tour. Oui, vous pouvez faire un tour, il n'y a pas un problème. Voir les conditions dans lesquelles les enfants étudient, il n'y a pas un problème. Ok. Voilà, faisons un tour comme ça dans des différentes salles de classe pour voir comment est-ce que les enfants de militaires étudient. Ok, voilà, Junior Mbouyi, faisons un tour. Oui. Monsieur. Pas du bon, monsieur. Oui.
Dans la classe des 6e année. 6e année A, bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle. Merci. Je suis ici en 6e année A. Je m'appelle monsieur Makunga Boya Pierre. J'ai 45 ans à l'EPSP comme ancienneté. Bon, mon effectif, l'effectif de l'école de 98 élèves. 93, vous avez 98. 98 élèves. Bon, le niveau de la classe vraiment est au rabais. Un niveau très bas. Je m'efforce pour essayer un peu de remonter le niveau de la classe. Mais malheureusement, c'est la discipline qui n'est pas du tout ici. Les enfants militaires, c'est vrai que vraiment, ça me dérange. Mais sinon, vous avez l'effectif des 98 élèves dans chaque salle de classe. Non, dans ma classe. Sixième année. Mon collègue a moins de 98, il a plus de 80 élèves. Mais moi, j'ai 98 élèves dans ma salle de classe. Mais sinon, comment se passent les cours? Est-ce que les élèves sont vraiment attentifs? Bon, les élèves, quand même, il y a d'autres qui sont... Bon, mais seulement ici, il y a d'autres qui sont attentifs. Bon, il y a les uns qui sont attentifs, mais les autres, pas tellement. Je veux dire que l'effectif est dû à la gratuité de l'enseignement, c'est ce qui a fait qu'il y a surcroît d'effectifs. Voilà, parce que je suis de la gratuité de l'enseignement. C'est ça qui fait que l'effectif a augmenté. On n'a pas. La direction vraiment a inscrit les enfants sans problème. Donc, parce qu'il y a des mutations, des élèves et des parents qui viennent de l'extérieur hein, pour venir ici, il n'y a pas moyen de les chasser. Tout le monde a été inscrit. Vous voulez dire que parmi ces enfants, il y a aussi des enfants des civils qui sont ici? Bon, pas tellement, hein. Pas tellement. Des enfants militaires. Des enfants militaires. 100% les enfants militaires. Militaires. Mais sinon, quand même, il y a des enfants qui sont à la hauteur. Ils s'adaptent quand même par rapport à la formation. Mais ils s'adaptent pour la formation. Mais sinon, un grand problème pour la lecture. La lecture, vraiment, c'est ça le nœud du problème. Ils savent calculer. Et même les formules savent, ils sont à la hauteur. Mais seulement la lecture qui est vraiment le nœud du problème. Quand même l'effectif des enfants brillants, c'est quand même... Ça va, ça va. J'ai fait tout de mon mieux pour la correction du cahier de devoir des enfants. C'est ça la page.
c'est la base. Est-ce que par rapport au matériel didactique, vous êtes suffisamment alimenté? Oui, maintenant c'est, ça avance parce que le directeur, comme il a vu les frais de fonctionnement, il a acheté tout, nous avons tout, les documents pédagogiques, tout ça, pas de problème. Mais malheureusement, c'est nos salles de classe qui sont tellement... Les salles de classe sont vraiment dans un état de délabrement. Vraiment, quand il pleut vraiment, on n'a pas moyen d'enseigner. Il y a des fois, nous mettons ici. État de délabrement, la salle de classe. Sinon, avec votre permission, on peut avoir quand même pour les interviews par rapport à la formation qui s'est faite ici. Bonjour, mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Birido Elala. Parle un peu fort. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Birido Elala, au nom de Jeannette. Tu es en quelle année? Moi, je suis en 10 ans. 6e année. Et tu as quel âge? Je suis en 10 ans. Tu as 10 ans. Oui. Ton papa était un soldat. Oui. Il est vivant. Oui. Toi, tu habites où? Moi, j'habite à 17. À 17, donc ici au Kankoko. Oui. Comment s'appelle ta maman? Mon maman, il s'appelle Kanyere Eve. Oh, d'accord. Tu peux me conjuguer le verbe être au temps présent. Le verbe être au temps présent. C'est facile, je... Ça, je ne sais pas ça. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. S'il faudrait lancer un message, tu connais le président de la République? Oui. Il s'appelle qui? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Est-ce que tu connais que c'est lui qui a fait que tu puisses étudier gratuitement, tu sais? Oui. Ok, s'il faudrait lancer un message au chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fatih. Tu connais qu'on l'appelle aussi Fatih? Oui. Okay. Lance un message au président Fatih. Il puisse nous donner... Parle un peu fort. Il puisse arranger notre salle, notre banc. Pour moi, c'est tout ça. Voilà. Bonjour, mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elamène Chikalou. Parle un peu fort. Toi, tu es quand même un garçon, hein? Tu es quand même un homme. Parle un peu fort. Comment tu t'appelles, mon frère? Je m'appelle Elamène Chikalubi. Ok. Tu as quel âge, toi? 11 ans. Tu as 11 ans. Et puis, tu es en quelle année? 6e année A. 6e année A. Ok. Aujourd'hui, nous sommes quel jour d'abord? Mercredi. Mercredi, les comptes, hein? Les 5. Qu'est-ce que vous avez vu en histoire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez eu quel cours? Français, l'histoire. En histoire, qu'est-ce que vous avez eu? Ton père est un soldat? Oui. Ta mère fait quoi? Rien. Ta maman, non, ne sois pas assez triste. Tu as perdu la caméra? Oui. Alors quoi? Toi, tu es un enfant de militaire. Les enfants de militaire n'ont pas peur. Regarde la caméra. Tu es né dans une famille de combien d'enfants? 7. Vous tous, vous étudiez? Oui. Où c'est? L'autre à l'excellence. Donc à l'excellence à Bandal? Oui. Mais pourquoi ils n'ont pas étudié ici? Ils avaient étudié ici en primaire. Donc en primaire, tu avais étudié là? Oui. Tu connais le président de la République? Oui. Comment il s'appelle? Félix Antoine Tshisekedi. Ok, alors le premier ministre, tu connais le nom des premiers ministres? Je n'ai pas les noms des premiers ministres. Alors le président sortant, c'est lui qui était président avant Félix, tu le connais? Oui. C'était qui? Kabila. Tu aimes beaucoup, entre Kabila et Fatih, tu aimes qui? Fatih. S'il faudrait lancer un message à Fatih, quel serait ton message? Il arrange pour nous les bains, l'école, et il met aussi pour nous Il puisse donner aussi l'argent. Il puisse arranger pour nous les bains. Il met pour nous les latrines. Les latrines. Ok, ok, les latrines. Donc si vous avez dit qu'il n'y a pas de latrines. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Qui avait dit que les enfants de Milton ne pouvaient pas parler français?
tout ça, bon, à la 4, c'est la salle de classe. Vous avez écouté comment est-ce que les enfants se sont exprimés. Ils ont lancé leur message au chef d'État. Ils ont besoin que le chef d'État puisse réhabiliter, réaménager leurs locaux. En tout cas, qu'il puisse vraiment les équiper de différents matériels didactiques. Et puis, rémunérer aussi les professeurs, les enseignants. Il faudrait qu'on paye aussi les enseignants pour qu'ils fassent très bien leur travail. Parce que encadrer les enfants soldats, les enfants des militaires, ce n'est pas facile. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire. Les enfants des soldats sont vraiment très, très, si on peut le dire ainsi, têtus. Et puis, ils sont vraiment très brigands. Mais et quand même, ils ont osé, ils ne sont pas des soldats, mais ils ont quand même voulu aussi sacrifier leurs connaissances pour instruire ces enfants, parce que eux, à travers leurs parents, les Congos aujourd'hui à la paix, parce qu'il y a nombreux de parents de ces enfants qui ont voulu sacrifier leur vie pour que les Congos, les drapeaux des Congos puissent flotter tranquillement dans l'espace, dans tout l'espace de la République. Voilà pourquoi nous avons voulu, nous avons souhaité nous intéresser dans cette école de la place Institut Kokolo pour savoir dans quelles conditions les enfants des militaires étudient. Voilà pourquoi, et ensemble, accomplissé avec mon équipe et notre chaîne Tindika, qui est votre chaîne partenaire pour l'information. Donc, il y a bon, à la 4, il y a école Kokolo, tout ça, bon, à la 4, il y a école, il y a des soldats. Baloba, qui est bon, il y a des soldats, c'était Zakari Bababa, c'est pas un mon soldat. Hein? Joseph Kabila a zappé mon soda et puis il est mort dans un soda. En tout cas, coup de chapeau na président Nabiso de la République, Fatih, pour la moussala, et surtout, Ndenga Ndemi, qu'on a soin, il y a tout le monde en face. On a déjà bâtiment à Sika. En dehors qu'on réhabilite le bâtiment, mais on a fait bâtiment à Sika pour que l'on ait des soldats dans les conditions Oyo et Sengeni. Et ça, c'est que si on a des écoles, on a des bien pavés. On sait qu'avec le temps, vu que le programme est à Sika, le chef de l'État est à Sika. Il y a un combat qui fait que les gens sont en train de se faire. Il y a un combat qui fait que les gens sont en train. Voilà. Grand merci, jeune équipe Mobimba, émission Mino Micro Populaire. Grand merci, Nazinia Mbouyi. Tous les enseignants, message moi à Souka, Souka Zanango, et puis on va finir. Cher enseignant, vous avez un dernier message à l'adresser, surtout au chef de l'État et puis aux membres du gouvernement. En tout cas, vraiment, j'ai un message à lancer au gouvernement. Vraiment, félicitations avec la gratitude du chef de l'État. Nos enfants étudient très, très bien. Vraiment, mes félicitations. Des éloges pour le chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Mbouto. Comme la soukato, si ça a, tout aussi, ça rire à l'Ibanda. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, vous abonnez à la chaîne. Oh, Tindika, Tindika. Et puis, juste un commentaire par rapport à l'émission de Bino Miko Populaire. Tu vois que c'est une émission Mokosa. Très proche, il y a peuple, très proche, il y a population. Grand merci. Dites un mot par rapport à l'émission de Bino Miko Populaire. Si vous avez une suggestion, vous avez un message, vous avez un. À travers l'émission de Bisso, Micro Populaire, comme la Bisso, Benga Bisso. Voilà, grand merci à Junior Mbouyi. Grand merci à M. Riffin qui sont bien, sans oublier Papi Kelly. Grand merci à M. Malina de London, les champions. On va avoir une extension émission Oyo. D'ici à porter votre main, quant à moi, je vous dis merci et bye bye.